Woo! Hello, we share, we best, we wear everything. I am delighted to be here. Thanks for all coming out of the sunshine. Great talk, Benita. Sets everything in context. We're nearing the end of this amazing festival. Can I just say, before I start, a huge thanks to all the volunteers of the We Share Fest. You have done an amazing job. It has been a brilliant, brilliant, brilliant few days. I'll hold it close to you. Thank you, We Share. You've done brilliantly. So my topic today is about the path towards a pure sharing economy. And as the father of three very young children, I know very well that sharing doesn't always come naturally. But I also see that every time my children do things together, they have far more fun and they laugh a whole lot more. And it's really important that they remember that, and I truly encourage them to share as much as they can. So, what does the future hold for pure sharing? My title at LiveShare is Founder, CEO, and Possibilist. And I added the word possibilist because I now truly believe that anything is possible, and it's become possible through collaboration and sharing. That has been massively helped along the way in recent years through the amazing connecting abilities of the internet and now the smartphones. Whoa. So my journey started way back in 1998. In fact, it started before that. It started in the early 90s. I went to university. In my first term of university, I quickly ran out of money, mostly on beer, and couldn't afford the train trip home. So I set up a notice board in the student union, asking for lifts home, and was amazed that within just one day I had three people offering me a lift. The guy that gave me a lift was a guy called Joe, and now, almost 20 years later, Joe and I are still the best of friends. We had an amazing trip together, and when I got back to university, I turned that notice board into a popular... Heureusement, j'ai pu résoudre ces problèmes de transport en rencontrant toutes ces personnes. Et deux heures plus tard, alors que l'Internet faisait son apparition, j'ai construit une plateforme de manière à rendre ces échanges de services de covoiturage possibles. Et comme on l'avait dit auparavant, eh bien, c'était juste avant l'arrivée de Google. Alors, la mission de LiveShare est une entreprise sociale et nous souhaitons résoudre les problèmes de transport qui touchent les plus démunis. Il y a en général plus de 10% d'un revenu qui est dépensé en transport. Et parfois, c'est plus, en général, on arrive même à dépenser plus en transport qu'en nourriture. Donc l'idée, c'est d'essayer de connecter les voyageurs les uns aux autres de manière à résoudre ces problèmes. On s'assure, on ne se concentre pas forcément sur les longs voyages, mais notre mission est vraiment de s'assurer que chacun puisse bénéficier du transport dont il a besoin. Ah, ça c'est drôle. Nous avons fait grandir notre plateforme par l'utilisation, en communiquant avec les communautés, en passant parfois par des événements, parfois des festivals, parfois des communautés locales. Et sans eux, eh bien, ça n'aurait jamais pu fonctionner. Nous avons une formidable collection de gens qui font un travail de plaidoyer formidable. Notre modèle d'entreprise est relativement unique en ce sens parce que nous utilisons la marque et le soutien financier de toutes ces marques pour réaliser notre projet. C'est une manière pour nous d'atteindre toutes les cibles que nous sommes fixées en termes de communauté et de faire en sorte que toutes les communautés puissent accéder au voyage, à la possibilité de voyager. Ici, ça vous donne un petit aperçu. Notre site est traduit en 60 différentes langues et ça vous donne un aperçu de ce qui est possible de faire à l'échelle mondiale. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent apprendre de notre aventure, de notre expérience. Pour vous donner une idée de la croissance, quelqu'un a peut-être eu l'occasion de voir que LiveShare a mis 3 ans pour décoller.
là, à l'époque, c'était des trajets qui se passaient uniquement au sein de Londres. Et puis, il y a 12 ans, voilà, pardon, 12 ans après, voilà où nous en sommes, tout le territoire est quasiment totalement recouvert. Et il y a toujours environ, maintenant pour quelqu'un qui cherche un trajet intra-Londres, une trentaine de possibilités de voyager. Il y a ici des possibilités maintenant sur tout le territoire du Royaume-Uni. Et voilà, ça y est, on a obtenu le visuel. Donc voilà à quoi ça ressemble actuellement et c'est de la manière dont nous avons étendu notre activité. Et ici, quand on prend un peu de distance et qu'on regarde le tableau, et nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes à résoudre. Nous étions en train de croître chaque année davantage. Mais quoi qu'il en soit, la chose incroyable, c'est que les exponentiels problèmes ont besoin d'exponentielles opportunités. L'année dernière, par exemple, nous avons eu à peu près 12 000 voyage, covoiturage d'effectuer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de compagnies, d'entreprises nous rejoignent. Il y a maintenant des milliers de compagnies qui existent et qui ont reproduit ce système. Si on essaye de regrouper ces compagnies, de la plus sociale à la plus axée sur le profit, eh bien, on peut, sur la gauche, c'est celles qui sont plus axées sur le social, et sur la droite, celles sur le profit. Vous verrez bien sur la gauche, vous en reconnaîtrez certaines. Et je suis sûr que, évidemment, ce n'est pas un tableau exhaustif, il y en a encore bien plus. Ce sont toutes des compagnies qui sont basées sur l'économie collaborative, mais il y en a aussi plusieurs autres milliers qui font un travail formidable, mais que nous ne connaissons pas. L'économie de partage aura décuplé d'ici à 2025. Regardez sur la gauche la société des bénévoles qui partagent gratuitement juste parce que par goût, par intérêt, par conviction, eh bien, ce côté vaut déjà à peu près 100 millions, 100 000, 100 000 pounds, livres, pardon. On a été ici dépassé, on est passé d'un chiffre de 5 à 10% sur notre gauche. On sait toujours que initier un changement est positif lorsqu'il se dirige vers le bien social. Nous avons été possible, par exemple, on a quelques exemples ici de rencontres qui se sont faites à travers des voyages de gens qui ont trouvé l'âme sœur de cette façon. Mais, et parce qu'il y a un mais, l'argent n'est pas tout dans ce marché. Il s'agit surtout de changer nos comportements, de changer notre manière de voir les choses. Dans les dernières 16 années, nous avons eu 13 millions de covoiturages d'échangés et il n'y a quasiment pas eu de problème. Dernièrement, nous remarquons que dans les échanges qui impliquaient un échange financier, et là, des tentatives de fraude apparaissaient. Effectivement, le fait de devoir collecter des fonds change aussi les attitudes. Regardez les médias. Si vous n'avez pas
aux yeux des médias, réussi à lever des fonds suffisamment, eh bien, vous n'avez aucune existence pour eux. Pour terminer, est-ce que l'économie collaborative est-elle encore représentée par le petite personne? Eh bien, moi, je pense que le gros est celui qui se déplace lentement et qui ne va pas assez vite, qui ne suit pas. Moi, je pense que la société... Pour moi, je me pose la question de savoir si l'économie de partage n'est pas trop axée sur l'aspect bénévole. Il s'agit avant tout de donner son temps gratuitement et de ne pas passer par des transactions financières. Nous sommes en danger, d'ailleurs, de voir à quel point ces valeurs ne sont pas forcément appréciées suffisamment. Au Royaume-Uni, nous avons remarqué que 102 millions de pounds ont été générés par ce type d'économie. Donc, ça prouve bien qu'il est possible d'opérer un changement. Thank you very much.